高空走绳运动主要就是在悬崖峭壁或高楼之间架设锚靶，连接一条绳子，从这座山走到另一座山来挑战自我极限。这种运动在欧美国家非常盛行，法国年度高空走绳活动就从本月十号开始拉开帷幕，为期12天，来到最后第二天，一名27岁的学生现身挑战。他在超过600米的高空，沿着1600米的长绳一直走，从圣让内的悬崖走向圣保罗悬崖，成功打破现有的800米距离世界纪录。Et très long, la plus longue du monde. Et j'ai jamais traversé une ligne si longue. Et alors pour moi, c'est l'endurance, mais c'est aussi le. Ça fait comme ça. Ça, c'est très dur. Au milieu, c'est plus facile, mais au fin et au début, c'est vraiment, vraiment dur d'aller comme ça.这项挑战一共耗时2个小时。高空走绳本来就是极具危险性的运动，不光是参与者，就连旁观者也不禁为这年轻人捏了把冷汗。